D'après les informations de Mathilde Lormeau, la chanteuse Ophélie Winter, actuellement SDF, aurait enfin accepté de recevoir de l'aide de sa mère et de son frère. Ces dernières semaines, Ophélie Winter traverse une période compliquée. La chanteuse de Dieu m'a donné la foi va d'hôtel en hôtel et dort parfois dans sa voiture. Dans Touche pas à mon poste, elle avait pris la parole et confirmé que son quotidien n'était actuellement pas exceptionnel mais refusait toutefois qu'on lui vienne en aide. Je ne veux pas me battre à séduire les jeunes, c'est prouver qui je suis, je ne veux pas qu'on me propose des choses qui ne sont pas en adéquation avec ce que je suis maintenant, avait-elle fait savoir au chroniqueur de l'émission. Et pourtant, point ce vendredi 4 octobre, dans l'émission Touche pas à mon people animée par Mathieu Delormeau, on a appris qu'Ophélie Winter, qui avait coupé tout contact avec sa famille, avait accepté de revenir vers eux. La chanteuse a donc donné des nouvelles à sa mère Cathy et à son frère Michael, eux, qui s'inquiétaient tant de ne pas savoir où elle était et qui n'arrivaient pas à lui venir en aide. Et maintenant, Ophélie Winter, qui dort dans des hôtels dont la nuit peut coûter jusqu'à plus de 300 euros, va devoir accepter qu'on lui vienne en aide réellement, comme les chroniqueurs de TPMP le souhaiteraient. Ce 3 octobre, Kelly Vedovelli avait prévenu ses petits camarades, peut-être qu'elle refuse mais qu'elle a envie qu'on l'aide. Je pense qu'il faut continuer à lui tendre la main. Désormais, espérons qu'Ophélie Winter trouvera la foi de s'en sortir avec toutes les mains qui lui sont tendues chaque jour.